Voilà, donc je vais démarrer cette conférence avec vous. Alors, je suis extrêmement contente parce que vous êtes vraiment nombreux pour le coup. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux que ça. Et donc, moi, je m'appelle Véronique Cohn. Il y en a beaucoup qui me connaissent, je pense, parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis de Montpellier, à Castelnau-le-Lez. Et donc, je me suis spécialisée, ça fait 8 ans, sur la relation amoureuse, le couple. Déjà parce que moi-même, ça a toujours été une passion dans ma vie, enfin un thème qui était au centre de ma vie depuis que j'étais haute comme trois pommes. Et puis, parce qu'à un moment donné, j'avais envie vraiment de faire passer des messages autour de la mécanique de l'amour. Je suis un profil plutôt analytique et donc j'aime bien décortiquer, décoder les mécanismes en cours pour prendre un peu de recul et cerner ce qui se passe dans nos vies amoureuses. Par ailleurs, je fais du tantra depuis que j'ai 25 ans, 26 ans. Je commençais assez tôt et j'ai intégré enfin, cette philosophie, cette vision, hein, on parle de vision tantrique, cette perspective, ce regard qu'on pose sur les choses, sur nous-mêmes, sur la vie, sur l'existence, à travers ma vie, à travers le regard que je porte aussi dans mes consultations pour mes patients, même si je ne le dis pas souvent, j'ai toujours ce regard en arrière-plan quand je travaille pour aider ben, ceux qui sont en difficulté, en souffrance, à avoir une vision plus paisible, surtout parce que moi, ce qui va m'intéresser, ce que je vais développer dans cette conférence, qui s'appelle Tantra et vie amoureuse, c'est comment vous pouvez vous sentir plus en paix dans vos vies amoureuses, dans vos relations, tout en les conjuguant avec le vivant, l'intensité, et incluant la souffrance aussi, mais si on peut éviter d'alimenter la souffrance, c'est pas mal. C'est pour ça que je voulais vous donner des pistes un peu concrètes pour voir comment la vision tantrique peut vous aider à rendre vos vies amoureuses plus simples, plus chouettes, moins compliquées, voilà, avec quelque chose, pas forcément de plus joyeux, mais surtout de plus paisible. Voilà, je pense qu'on court tous après la paix, malgré ce qu'on croit, même si dans le tantrisme, on travaille beaucoup sur le focus, on met le focus sur la sexualité sacrée, qui va être souvent en lien avec le charnel, donc l'intensité de la relation, hein, pour aller vers l'orgasme de la vallée, qui est un orgasme où le moi se dissout, où le moi disparaît. Mais il y a quand même de l'intensité dans la relation charnelle. Hein. Si vous suivez des ateliers ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ateliers autour du corps. Le corps est à la fête, le corps est célébré, les cinq sens sont célébrés parce que le tantrisme est un enseignement spirituel qui va inclure ben, tout, et notamment le corps, pas comme un péché, mais le corps charnel, le corps célébré, le corps festoyé et la sexualité incluse. Et donc, dans le tantrisme, on a une porte d'accès vers la mystique, c'est-à-dire vers la dissolution du moi, vers l'éveil, à travers la sexualité, mais pas que, hein, c'est une des portes parmi plein d'autres. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par la sexualité aller toucher l'éveil, qui est un espace où vous pouvez être en paix, quoi. Voilà, pour faire vite. Donc, je me suis intéressée à la question de comment on fait pour se perdre en relation. J'ai même écrit un bouquin l'année dernière là-dessus qui s'appelle Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre. J'étais vraiment convaincue que, de par mon expérience, déjà, parce que j'ai beaucoup œuvré dans et je continue d'ailleurs d'œuvrer dans la relation amoureuse, moi-même dans l'expérience, c'est pas juste je conceptualise. Et je ne fais pas d'expérience propre, mais dans mes expériences et dans celles de mes patients, j'ai quand même remarqué que une des plus grosses souffrances, c'est de se perdre dans la relation. C'est de vouloir tout donner, de vouloir tellement aimer pour se faire aimer et pour aimer, qu'on peut se perdre et vraiment souffrir énormément à être trop fusionnel, trop en excès. Dans le lien, parce qu'il y a des carences dans l'enfance et une envie
de se fondre, quoi, hein, de se fondre, d'être en lien. La connexion, c'est notre plus grande peur, mais c'est notre plus grande aspiration, le lien amoureux. C'est pour ça que je travaille sur ce thème aussi. Donc, ça va être cette conférence que je vais développer, ça va être comment on peut faire pour ne plus se perdre dans la relation tout en étant parfaitement aligné, si on peut, parfois, ou désaligné, hein, et voir comment le tantrisme, la vision tantrique, peut nous aider à ça. Alors, comme vous êtes nombreux, par rapport aux questions, juste un petit... petite organisation, je préfère que... J'ai nommé six points pour moi qui sont des clés importantes du tantra, en tout cas qui me servent à moi. Je me suis dit, si ça me sert à moi, ça va peut-être vous servir à vous. Et donc, je vais vous les décrire comme ça, éventuellement faire un petit exercice là-dessus pour vous donner des idées concrètes. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser après le point, quand j'ai fini un point, avant de passer au point 2. D'accord ? Ça sera plus simple comme ça, sinon je ne vais pas m'en sortir, c'est trop nombreux. Voilà, donc le point 1, je suis très contente alors, d'être ici, vous ne pouvez pas savoir, au Tantra Joy, parce que je vais pouvoir me permettre d'utiliser le jargon tantrique, chose que je ne peux pas faire d'habitude avec un public classique. Donc là, je vais en profiter pour utiliser le vocabulaire qu'on utilise dans le jargon du Tantra, qui est une vision non-duelle de l'existence. Alors là, je suis un peu dans les concepts, hein, mais c'est une conférence, donc je vais vraiment en profiter pour vous donner les concepts que vous n'avez pas forcément dans les exercices. Parce que dans les structures, ce que vous faites, là, dans les ateliers, vous expérimentez des choses, mais souvent, vous n'avez pas les concepts derrière, sauf si vous lisez des bouquins sur la philosophie non-duelle du tantrisme. Donc, tout le monde ne le fait pas. Donc, du coup, moi, je vais vous faire des explications de texte sur ce que vous vivez dans les ateliers et le vocabulaire utilisé. Dans le jargon, on parle d'identification, comment passer de l'identification à la désidentification. C'est peut-être des termes que vous connaissez certains et d'autres ne connaissent pas. Moi, j'ai pour vocation de vulgariser, hein, donc je parle à tout le monde, et d'un langage un peu pointu, je vais le rendre accessible à tous. Donc là, l'identification, ce qu'on appelle dans le tantra être identifié, on en parle beaucoup hein, dans le tantra, vous êtes identifié et essayez de vous libérer de l'identification en faisant quoi ? Ben déjà, en prenant conscience que vous êtes identifié. Alors, c'est quoi être identifié ? Identifié, c'est remarquer comment, quand vous ouvrez les yeux le matin, vous commencez à être dans une histoire qui est la vôtre, soi-disant la vôtre. D'accord ? Et l'histoire commence avec la conscience. C'est-à-dire, si vous êtes en train de dormir, sauf si vous rêvez, mais vous n'avez pas conscience qu'il y a une histoire qui est tissée avec un passé et un futur. Donc vous ouvrez les yeux le matin ou après une sieste et l'histoire de votre vie, de votre personnage, on dit ça, votre personnalité, vous avez l'impression qu'elle est normale et que c'est une réalité. Alors l'identification, c'est quand vous allez observer que dans le champ de conscience, quand vous ouvrez vos yeux, vous allez apercevoir, vous allez être témoin, c'est pour ça que vous faites de la méditation d'ailleurs les uns et les autres. Vous allez mettre de la conscience témoin pour observer vos pensées, vos sensations, vos images et vos émotions et vos comportements éventuellement. Donc, ce qu'on appelle un objet d'identification, c'est ça. C'est soit un objet pensé qui apparaît dans votre champ de conscience, soit un objet émotionnel. Voilà, c'est un autre objet. On appelle ça des objets, hein. Soit une sensation, c'est un objet, hein, vous dites qu'est-ce que vous sentez, quel est votre ressenti, c'est un objet qui apparaît dans la conscience, une image souvenir, une image du futur, voilà, ça voilà, c'est encore un objet. Donc tout ça apparaît dans votre champ de conscience, mais quand vous êtes identifié, par exemple, le plus souvent c'est le mental, hein, c'est-à-dire, bon, ça peut être aussi aux émotions, quand on est identifié par exemple à une pensée, à une croyance, ça devient une identification, c'est-à-dire un agrippement à un objet qui apparaît dans votre conscience sur lequel vous êtes sûr que c'est vrai. Et dans la vie amoureuse, il y a énormément d'automatismes, ce qu'on appelle les conditionnements. Qu'est-ce que c'est qu'un conditionnement ? C'est une identification. C'est, par exemple, j'ai peur de la solitude dans le futur. Voilà, j'entends beaucoup ça chez mes patientes. Voilà, que vais-je devenir ? Alors, que vais-je devenir plus tard ? Hein, c'est de nouveau, si je m'identifie à cette pensée qui me passe par la tête, eh bien, je vais m'agripper dessus et je vais commencer à alimenter un film et une histoire avec ça. D'accord ? Donc, être identifié, c'est très important
de voir à quoi vous êtes identifié dans votre vie amoureuse. Les différents types, par exemple, de croyances que vous avez sur vous, sur votre vie amoureuse. Et le tantra va vous dire, faites un pas de côté, mettez le témoin, branchez la conscience témoin, prenez un, ce qui va vous permettre de prendre du recul pour observer à quoi vous êtes identifié, à quoi vous êtes agrippé. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. On peut être agrippé à une émotion aussi, à une peur. On peut être agrippé à l'intensité de la relation amoureuse. Hein, c'est une identification. Il y en a qui sont des addicts à l'intensité. Pour me sentir vivant, j'ai besoin de faire l'amour souvent, ou j'ai besoin d'être amoureux souvent, ou j'ai besoin de passion. Voilà, ça c'est une identification. Je donne des exemples comme ça classiques dans la vie amoureuse, parce que bon, je suis quand même sur le sujet, donc j'entends toute la journée un peu les mêmes choses, ça tourne toujours autour des mêmes trucs. Autre chose, c'est, j'ai dit la peur de la solitude, mais ça peut être, j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne, il me faut la bonne personne, je cherche le prince charmant ou la femme idéale, d'accord ? Donc ça c'est, je cherche, et ça c'est, j'ai besoin de me mettre en sécurité, entendez derrière, j'ai besoin de me mettre en sécurité, hein, c'est le, voilà, ça c'est une identification à la sécurité. Et l'ego, le moi, l'histoire qu'on se raconte, c'est en lien avec la sécurité, puisqu'on est beaucoup branché sur la survie en tant que personnalité, hein, en tant qu'ego. Et notre ego va essayer de se raccrocher aux branches en se rassurant pour se sécuriser, notamment à travers la relation dans un futur de couple qui pourra marcher, réussir, etc. Donc voilà, donc, tout ce que va vous dire le tantra, en tout cas sur la notion d'identification, c'est pas d'arrêter d'être identifié, c'est de voir à quoi vous êtes identifié. Donc, voir vos conditionnements. Si je peux les voir, je mets de la conscience là-dessus, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. D'ailleurs, il n'est pas forcément question que ça s'arrête, hein, puisque ici, on est dans une voie de l'inclusion, pas une voie de rejet. La voie non-duelle n'exclut pas, hein, elle inclut. Hein. Donc, si vous êtes simplement conscient de ce qui vous traverse, de vos croyances, vos conditionnements, etc., vous pouvez faire un pas de côté et ne pas les juger. Hein. On va trouver les trois clés. Hein. Il y a trois clés, il y en a plein des clés. Bon, une des trois clés de tantra, il y en a plein d'autres. Conscience, ton jugement, relaxation. Donc, j'ai conscience, par exemple, que je suis addict à l'intensité amoureuse, il me faut de la passion, sinon la vie est morte pleine, par exemple. Et donc je suis en manque dès que mon amoureux n'est pas là et qu'il ne me donne pas de nouvelles. D'accord ? Non, je ne juge pas ce que j'ai observé, ce à quoi je suis identifiée. Et non, ça peut se relaxer. Voilà. Si j'accueille ce truc-là et que je ne cherche pas à changer quelque chose, ça peut éventuellement se relaxer ou pas. Mais déjà, le fait de mettre de la conscience sur vos conditionnements, de les reconnaître, ça peut vous permettre déjà parfois de les lâcher, parfois pas, ou de les conserver en étant conscient, en ayant du discernement. Bon, je suis d'accord de continuer à fonctionner avec ce conditionnement qui me fait bugger dans la vie, mais c'est pas grave. Voilà, je dédramatise l'affaire. Voilà, je suis consciente que je suis une passionnelle et que j'adore la passion. Eh bien, ok, ben, j'assume en fait. Voilà. Il y a un truc aussi qui peut faire qu'on peut passer de l'identification, pas à la désidentification, mais au fait d'assumer davantage ce qui nous concerne, ce à quoi on est accroché, agrippé. Et n'oubliez pas qu'à un moment donné, l'ego va s'effacer, on va mourir. Et quand l'ego s'efface, tout part. Hein. Toutes les identifications se délitent en fait. Mais pendant qu'on est sur une aventure terrestre, on s'agrippe à des trucs et on croit vraiment qu'on a besoin de ça, besoin de tant d'amour, on a peur de manquer d'amour, enfin tout des tas de trucs. Et du coup, on va s'agripper à ces trucs-là. Et ça nous fait souvent souffrir. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était de prendre quelqu'un à côté pendant 2 minutes, pas 3 minutes, je ne sais pas, mais pas très longtemps, maximum 5 minutes, parce que j'ai 1h30 pour cette conférence. Et de vous questionner sur quels sont vos conditionnements préférés dans la vie amoureuse. Trouvez-en un gros, un qui vous interpelle. Il y en a plusieurs en général. Alors, je vous ai donné des exemples. J'ai peur de la solitude dans le futur. Donc, je vais faire un choix par défaut. Mieux vaut celui-là que rien du tout. D'accord ? Je veux de l'harmonie, il y a des gens qui sont là-dedans. Je veux de l'harmonie, j'ai peur des conflits. Voilà. Je choisis quelqu'un qui, et je reste avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment de moi, qui ne veut pas s'engager. Ça, c'est les classiques actuels. Je suis un idéaliste perfectionniste en amour.
Voilà, je rêve de quelqu'un de merveilleux. Voilà. J'aime l'intensité, je vous l'ai dit. Voilà. Puis d'autres, plein d'autres. Il y a plein d'autres conditionnements qu'on peut avoir. J'aimerais que vous soyez un peu en échange là-dessus, voilà, quelques minutes, pour voir quel est un objet, ce qu'on appelle un objet. C'est-à-dire, ici, ça serait plutôt une croyance, un conditionnement sur lequel vous êtes vraiment assis, en disant oui, ça c'est vraiment un truc qui est important pour moi, auquel je tiens dans ma relation au jour, où je fonctionne avec ça. Je suis toujours avec ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas ce que vous avez lâché, c'est bien, tant mieux. C'est ceux qui sont encore présents aujourd'hui, auxquels vous vous agrippez. C'est, en fait, on avait appelé l'identification, c'est ce qu'on avait appelé un attachement. Tous les attachements font souffrir. Si vous êtes attaché, par exemple, à la notion de rencontrer la bonne personne, c'est un attachement comme un autre. Tous les attachements font souffrir. Il n'y en a pas un. Si vous êtes attaché à une sexualité épanouie, ça va vous faire souffrir quand vous serez en manque. Vous ne serez pas en paix. Voilà. Tous les attachements. J'ai peur de la solitude. Je veux quelqu'un. C'est un attachement. Ça va vous faire souffrir s'il n'y a pas quelqu'un en magasin. Je veux plaire. Je me trouve moche. Je veux absolument plaire. Donc, je suis identifiée au désir de plaire. C'est une identification. Je suis convaincue que c'est vrai, que j'en ai besoin, que c'est une nécessité. C'est un attachement. Tous les attachements à vos enfants, hein, parce que là, je suis sur la vie amoureuse, mais je suis attachée à mes enfants, j'ai pas envie qu'ils meurent, etc. Voilà, on n'a pas le contrôle, hein, donc tous les attachements font souffrir. Et ce qu'on appelle une identification, c'est un attachement, un agrippement. C'est quelque chose auquel on ne peut pas, on a du mal à négocier avec ça, on ne peut pas lâcher, quoi. Voilà, on croit que vraiment on en a besoin, que c'est vraiment nous, que sans ça, c'est dangereux, on va mourir, on ne va pas être heureux, on ne va pas avoir le bonheur. Et comme on veut le bonheur, on s'attache à des tas de trucs. Voilà. Donc, c'est vraiment un des petits uns, c'est apprendre à voir ce à quoi je suis identifiée, pour le lâcher ou pas, ou pour l'assumer, ou pour le lâcher, mais faire ce petit pas de côté qui est je mets de la conscience. Tout le travail de méditation concerne ça. Hein. On fait beaucoup de méditation dans le tantrisme, ce n'est pas un hasard, comme dans d'autres voies spirituelles. C'est vraiment pour vous amener à mettre la conscience témoin, observer sans juger et probablement sans chercher à vous critiquer, à vous dire « Oh, j'en suis encore là, ça fait 25 ans de thérapie, mais qu'est-ce que je fous, bordel ?» Non, c'est vraiment « Je suis bienveillant, je suis dans l'accueil. » On est de toute façon, l'ego, il sera toujours attaché à quelque chose. Même si vous avez fait un énorme travail sur vous-même, il y aura tant qu'il y a de l'ego. L'ego, c'est le petit moi, c'est le petit personnage, c'est notre petite histoire. Tant que nous serons sur Terre, avant notre mort, il y aura l'ego, et c'est normal, on l'accueille, mais il y a juste à voir qu'il y aura toujours des attachements et des identifications. C'est juste, si elles peuvent nous faire moins souffrir, c'est top. Voilà. Déjà, en être conscient, c'est le point 1. Donc, vous êtes d'accord pour prendre un partenaire juste à côté et mettre en lumière un point, juste un point qui vous concerne dans la vie amoureuse, un de vos conditionnements préférés? Donc, ce qui est vraiment passionnant, je trouve, quand vous commencez à faire cette mise en lumière de vos convictions, de vos croyances, de ces objets d'identification sur lesquels on est vraiment attaché, agrippé, quoi, qu'on ne veut pas lâcher, c'est de voir comment, de par nos histoires, nos vécus, on veut vraiment... on veut vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut vraiment aimer, être aimé. Des fois, on est tout petit, quoi. On est tellement fragile, les êtres humains, on est tellement fragile qu'on voudrait tellement obtenir beaucoup, quoi. Beaucoup par rapport à l'enfant qu'on a été n'a jamais assez reçu par rapport aux besoins de l'enfant qu'on aurait dû recevoir. Alors, c'est tous comme ça, plus ou moins selon les traumas. Mais du coup, on a, la plupart de nous, manquait de sécurité, manquait de chaleur, manquait de reconnaissance, manquait d'encouragement, etc. Ce qui fait qu'on arrive à l'âge adulte et on est avide, quoi. Il y a une avidité de la connexion qui peut être souffrante et qui nous fait nous attacher à des points d'identification sur lesquels on ne veut pas lâcher. Et donc, dans le tantrisme, on va vous amener dans les exercices que vous allez suivre à observer votre fonctionnement. C'est une des plus grandes... Pour moi, c'est ce qui mérite dans la vie, ce qui mérite d'être intéressant et intéressé, fascinant même, passionnant, c'est de voir comment je fonctionne. On disait, connais-toi toi-même, tu connaîtras les lieux de l'univers. Pour moi, c'est vraiment voir mon fonctionnement,
éventuellement vous intéresser au fonctionnement de l'autre. Mais voir votre fonctionnement, c'est voir vos conditionnements, voir vos points d'identification pour pouvoir ensuite mettre un bémol ou pas. Voilà. Et pourquoi je parlais de conscience tout à l'heure? Parce que... alors, il faut que je sois pédagogue là-dedans, il faut que j'essaye d'expliquer simplement avec des mots simples. Quand je parlais de vous ouvrir un œil le matin, hop, la conscience apparaît. La conscience avec tous les objets à l'intérieur de la conscience, vos pensées, vos imaginaires, les doutes, enfin les émotions, tout ça apparaît. D'accord ? L'histoire repart. Quand on est dans le monde de l'identification, hein, ce qu'on appelle nous la réalité, eh bien, on va vouloir saisir des objets à l'extérieur. Des objets apparaissent à l'intérieur de notre champ de conscience, là, je les ai signalés, et on va avoir envie de saisir un homme ou une femme dans notre vie amoureuse pour faire une union, pour faire un couple. D'accord ? Donc, on parle de saisir, on dit vous avez envie d'attraper quelque chose dans le monde extérieur pour le faire vôtre, pour le posséder. On le voit dans l'union charnelle. Je veux te posséder, je veux te prendre, je veux te ramener à moi. Hein, je veux te goûter, parce que quand c'est mieux, quand on est à deux, c'est plus bon, l'union c'est plus chaud, c'est plus doux, voilà, je veux fusionner avec toi et je veux saisir quelque chose, mais après je veux plus relâcher mon objet, je veux prendre un truc, je veux mon couple, je veux ma petite famille dans la prairie, je veux mes enfants, je veux mon boulot machin, mais après je veux plus lâcher. Une fois que j'ai goûté à ce truc là je veux pas relâcher. Donc on parle de saisie des objets à l'extérieur de nous qui créent des points d'identification sur lesquels on peut être vraiment en souffrance. Parce que tant qu'on ne se rend pas compte qu'on veut ce truc, le désir, il part ici, et on veut la satisfaction du désir. Et ça, c'est souffrant. On confond l'élan du désir, qui est la source numéro un, hein, la vie nous traverse avec cet élan du désir, et presque un jeu, quoi, comme les enfants. Ah, j'ai un désir pour aller ouvrir la brandie, j'ai un désir pour aller toucher mon camarade, j'ai un désir pour aller explorer cet objet. Mais les enfants sont beaucoup moins attachés à l'objet du désir. Ils prennent le truc, ils prennent la brindille, et puis après ils la lâchent, puis ils partent sur autre chose. D'accord ? Nous, on veut saisir un objet, quand on l'a goûté, on ne veut plus rien lâcher, et notamment dans la vie amoureuse. On veut notre truc, notre jouet, notre objet d'amour, et on veut le sécuriser, on veut se l'agripper. Voilà. Et donc ça va créer énormément, énormément de souffrance. Le tantra ne vous dit pas de ne pas vous attacher, il vous dit faites attention à ce à quoi vous êtes identifié et attaché. Parce que tous les attachements font souffrir. Voilà. Mais il dit rien du tout, le tantra. Il ne vous dit pas ne faites pas ci, ne faites pas ça. Au contraire, on dit ne rechangez rien, observez. Voilà. Après, moi je rajouterais, mais ça c'est moi, si vous pouvez éviter d'alimenter des zones souffrantes, ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter des couches. Il y a déjà suffisamment d'épreuves et de dureté dans la vie. Si en plus on se rajoute des trucs sur lesquels on s'agrippe et qu'on a peur de manquer dans le futur, tout ça c'est très mental. Voilà. Donc ça peut augmenter la souffrance, ça n'a pas besoin d'en rajouter. Deuxième point, à moins que vous ayez des questions sur le point de l'identification et des attachements souffrants. Ouais, alors tu vas lui faire passer le micro. Attends, juste le micro, parce que sinon on ne t'entend pas dans mon caméra. Non, c'est simplement peut-être un éclaircissement sur la différence entre identification et dépendance. Si tu es identifié, donne-moi un exemple, parce que c'est en lien, de toute façon. Je ne sais pas, dépendance à une certaine intensité, dépendance oui. à... Par oui. exemple. Oui, ben, oui, c'est en lien. Si je suis addict à l'intensité, amoureuse ou charnelle, peu importe, oui, ça va me créer une dépendance. Parce que je pars l'accès, quoi. Je ne suis pas détendue, si tu veux. Et l'intérêt de la vision... Un des objectifs annexes de la vision tantrique, une vision mystique, c'est, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est comment être détendu et naturel. Revenir à des enfants qui sont détendus et naturels. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit observer, hein, mettre de la conscience, non jugement, relaxation possible. Ça peut se détendre. Si tu observes combien tu es addict à ça, tu peux lâcher ou pas. Mais tu sais, tu es au courant qu'il y a un truc que tu crois qui va te manquer si tu ne retournes plus à cet éros qui est fort, en fait, qui est intense. Je vous donnerai une piste tout à l'heure pour augmenter la subtilité du sensoriel par une autre clé du tantra qui est la vision périphérique. Voilà, parce que moi qui ai quand même une tendance à être addict à l'élévation, au transport d'élévation par la sexualité tantrique, parce que j'en ai fait tellement pendant tout un temps. Après j'étais embêtée, j'étais dépendante.
Ça m'a rendue dépendante au transport mystique par la voie sexuelle sacrée. Bon, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut toujours qu'il y ait un partenaire. Si tu veux. Alors, quand il n'y en a pas, tu es là, je fais quoi? Donc, tu vas dans les festivals de tantra, tu dis, ah, peut-être t'as un par là, bon. Mais ce n'est pas gagné. Donc, j'ai visé quand même l'autonomie, si tu veux, tu vois, à un moment donné, parce que je voyais que j'avais des points d'identification, je le savais. Tu peux savoir que tu es addict à l'intensité, ça peut être le sport, ça peut être le boulot, ça peut être n'importe quoi. Et en même temps, des fois, tu as beau le savoir, ça ne lâche pas forcément l'affaire. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi des pistes pour augmenter la discrimination du sensoriel. C'est un truc que j'ai écrit dans mon bouquin aussi, qui est augmenter les perceptions subtiles qui sont plus fines que celles qu'on va trouver dans la densité de la relation amoureuse et notamment sur le plan charnel, par la vision périphérique. En arrêtant de croire que ce que tu goûtes quand tu fais l'amour, c'est tellement extraordinaire que le reste est fade. Non, c'est absolument faux. C'est juste un manque d'observation ou de goûter d'autres types de sensations plus fines. Voilà. Donc, il faut élargir le spectre, en fait, l'idée, hein, c'est ça. Ça, je vous donnerai des trucs là-dessus. Le tantra propose des choses là-dessus. Hein. S'il ne vous dit pas rester addict à la relation amoureuse. D'ailleurs, en général, moi, quand je passais dans les groupes de tantra, on ne disait pas de rester en fusion, là, à deux, en tête à tête. Au contraire, l'enseignant spirituel que j'avais, il n'arrêtait pas de me dire « circule, là, arrête de faire le bébé immature, en mode « je te regarde, je suis amoureuse et je me colle à toi ». Oui, je me colle à toi pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps d'une structure, mais après, fais circuler l'énergie, reviens à toi. Tu n'as pas besoin d'être collé à quelqu'un toute la journée. Hein. Même si c'est la tendance de la passion amoureuse, de la fusion, c'est pas très intéressant parce que ce que je vais aussi vous apporter, c'est l'intérêt de fusionner, défusionner. Et dans le tantrisme, on vous propose, dans la plupart des ateliers, on vous propose ça. On vous dit, voilà, allez-y, plongez complètement dans le massage. Là, tout à l'heure, j'étais dans un atelier de massage, très bien animé d'ailleurs, par mon amie Séverine. Je ne suis pas là, partie, mais... Et donc, plongez dans le massage, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Fêtez l'essence, hop, hop. Lâchez-vous, quoi, en fait. Et lâchez tout. Mais ce n'est pas pour y rester collé. C'est pour apprendre ensuite, une fois que c'est fini... L'histoire est terminée, ça a été goûteux ou désastreux, peu importe. Une fois que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, vous vous remettez sur vos pattes, vous terminez, il n'y a plus rien. Quoi. C'est une histoire. L'histoire a été vécue comme dans un rêve, même si ça a été goûté. Et après, c'est fini. Vous défusionnez, il n'y a plus rien. Et ben, on pourrait dire que de la naissance à la mort, c'est la même histoire. Je vis une histoire, mon histoire, puis une fois que c'est fini, hop, tout part, tout s'éteint, tout repart à la source. Et c'est le même truc en fait. Que ce soit dans une structure, que ce soit dans une respiration, j'inspire, j'expire, je meurs, j'inspire, je nais. Que ce soit dans une journée, je me réveille le matin, j'ouvre un œil, l'histoire démarre. Je me couche le soir, hop, je m'abandonne au sommeil profond. Donc l'histoire s'arrête normalement. Vous n'avez pas peur de mourir quand vous dormez d'ailleurs. Hein. Vous abandonnez au sommeil, vous êtes content d'aller dans le sommeil. Et donc pourtant, vous allez perdre le sentiment d'avoir conscience. D'accord ? Oui, on n'a pas peur, on a envie de dormir. Donc c'est la même chose, c'est le même principe, sauf qu'on ne le remarque pas. Donc fusionner, défusionner, ça c'est vraiment des choses que vous pouvez apprendre dans tous les ateliers que vous allez faire dans le tantra, pour les débutants, pour ceux qui s'y connaissent, mais revenez à ça. Avant l'exercice, avant la structure, il n'y a rien. Rien, enfin, ou avoir des trucs que vous projetez, oh il est beau, elle est belle, oh je vais m'éclater avec lui, avec elle. C'est que des projections imaginaires. C'est ça qui se passe dans votre tête maintenant, pas plus. Mais une fois que vous avez fini la structure, l'exercice, c'est fini. Revenez à vous, il n'y a plus rien. Vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas marié. Il y aura une histoire ou il n'y aura pas d'histoire, ça vous ne le savez pas. Vous le saurez que l'instant d'après, et l'instant d'après, et l'instant d'après. Donc apprenez à faire ça, ça va vraiment vous aider. Hein, c'est aussi cette histoire de je m'identifie, hein, c'est-à-dire je crois ce que je vis et je vais fabriquer une histoire à partir de ce que j'ai vécu dans un exercice. Je vais commencer à me dire, ah, il est tellement beau, j'ai vécu une vague merveilleuse avec ce partenaire, un massage merveilleux, une danse merveilleuse. Peut-être je vais le revoir ce soir à la danse et peut-être demain nous aurons peut-être une date ou pas. Et là, vous commencez voilà, à fabriquer un film et donc une histoire. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être l'autre il est pris, il n'est pas dispo, vous n'en savez rien. Donc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais comme on ne sait pas, le mieux c'est d'être vraiment revenir ici et maintenant. J'ai vécu une histoire qui a duré le temps d'un massage, par exemple, et voilà. Après,
Et après, c'est le deuxième point que propose la vision tantrique. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça extrêmement beau aussi. C'est toucher la grâce, c'est aller vers la transcendance à partir de cette clé qui s'appelle sentir offrir. Souvent, on le fait à travers la vague de l'offrande. Hein, quand j'anime des stages de tantra, j'aime bien cette vague qui est... la vague, c'est une méditation à deux. Hein. Donc, la vague de l'offrande, c'est je sens tout ce que je sens. Tout ce qui me traverse, me traverse. Donc, je suis transparente par rapport à tout ce qui me traverse, que ce soit une pensée, une sensation, une émotion. Hein, tous les objets qui me traversent, me traversent. On dit aussi, on compare souvent l'être humain à un bambou creux. Hein, ça fait aussi la méditation du bambou creux. Ou du diamant qui est pur et transparent, mais même le diamant est un objet, donc on pourrait, je ne sais même pas comment on pourrait le nommer, mais vous êtes complètement transparent à tout ce qui passe à travers vous. Une pensée, puis après une émotion, puis après une sensation, puis une autre pensée, puis une image, et puis une projection, et puis patin, tout, enfin, tout ce qui nous traverse en fait. Et donc, sentir offrir, c'est je sens ce qui me traverse et je l'offre. Et souvent dans la vague de l'offrande, on vous dit montez la main vers le haut, pour offrir à quelque chose qui vous dépasse, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, on n'appelle plus ça Dieu, parce que les religions, ça fait un peu péjoratif, mais on appelle la grâce, la présence, il y a plein de mots pour dire la même chose, hein. La présence, beaucoup la présence, la conscience, on peut appeler la conscience, la présence, le divin, vous pouvez l'appeler le sacré, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mettez le mot que vous voulez, la transcendance, la mystique, la reliance, enfin voilà, mais quelque chose qui nous dépasse. Dans le tantrisme, le vocabulaire, ça va être, on va l'appeler Shiva. En fait, Shiva, c'est pas l'homme, c'est la conscience pure sans objet, c'est l'unité en fait. Hein. C'est-à-dire, chez les chrétiens, chez Maître Eckhart, c'est le Seigneur. Voilà. Bon, alors chez Jung, l'inconscient collectif, donc le soi, on va l'appeler le soi. Donc voilà, donc chacun met son vocabulaire, vous mettez ce que vous voulez. Sentir ce qui traverse, se percevoir comme étant transparent. Il n'y a rien qui m'appartient, je ne suis pas identifiée à ce qui me traverse, ce qui me traverse, me traverse. J'ai souvent, la plupart du temps, pas le contrôle sur ce qui me traverse, même si je crois que c'est ma pensée, que c'est ma sensation. Non, ça me traverse, l'émotion, elle me prend. Et je laisse un espace d'accueil, hein. Je suis comme un bambou creux ou un diamant pur. Hein. Donc je laisse ces formes me traverser plutôt que de m'accrocher, de m'identifier, de vouloir agripper quelque chose. C'est pour ça qu'on dit sentez et offrez, pour ne pas vous agripper, pour ne pas vous identifier. Et l'instant d'après, vous sentez et vous offrez. Alors ça peut être quelque chose d'agréable, mais ça peut être quelque chose d'hyper pénible en fait. Vous avez un partenaire qui vous a choisi pour faire une vague, vous le trouvez moche, tarte, il sent mauvais, vous n'êtes pas content, donc ce n'est pas très agréable. Eh ben, vous sentez et vous offrez. Pareil. Ça ne veut pas dire que ça va passer, ça ne veut pas dire que ça va s'échapper, que ça ne veut rien dire du tout, il n'y a peut-être rien qui va changer, mais il y a comme la grâce qui est, je suis d'accord pour laisser tout me traverser. Toutes les formes que prennent l'existence vont me traverser ou peuvent me traverser, et je suis d'accord avec ça, puisque le tantrisme est une voie non-duelle, qui est une voie d'inclusion de toutes les formes qui traversent. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'il n'y a pas de formes qui sont rejetées dans le tantra. On ne dit pas, dans la dualité, on dit la lumière et l'ombre. On va dire le sacré, ça prend telle forme, et le profane en prend une autre. Non, alors ça, faites attention à ça. Il n'y a pas quelque chose qui est sacré dans le tantra. Il n'y a pas un machin, des décorations, des rituels de bulles, de je ne sais pas quoi, d'encens, machin, qui font que ça fait sacré. Mais non, tout est sacré. C'est une voie d'inclusion. Donc, le sacré dans le profane. Mais tout. C'est pour ça qu'il y a des voies tantriques qui sont des voies tantriques de la déconstruction. Le tantra noir déconstruit tout. Donc, c'est le tantra de la déesse Kali, c'est-à-dire tous les trucs de torture, de barbarie, de machin, enfin, tous les trucs de massacre, de trucs horribles. C'est une voie de l'inclusion. On ne rejette rien dans le tantrisme. Donc, sentir et offrir ce qui traverse sans s'attacher à ce qui passe. Et ça, c'est moins facile parce qu'on commence à dire « Ouais, ce partenaire, il est extraordinaire, j'aimerais tellement avoir une histoire avec lui, j'en peux plus et tout. » Et on veut s'agripper, on s'identifie, au lieu simplement de « je sens et j'offre, voilà, et j'offre, et peut-être après j'aurai encore envie de goûter ça, ou après je serai passée à autre chose. »
Voilà. Et c'est toujours revenir ici et maintenant, puisqu'il n'y a que ça qui est vraiment vrai, c'est ce qui se passe là. Des questions sur sentir offrir, ou encore appeler l'exercice du bambou creux. Ouais, vas-y, tu peux lui passer là. Merci. Est-ce que tu peux préciser offrir ? Je comprends le sentir. Alors, quand tu dis sentir offrir, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par offrir ? Offrir, toi j'ai fait ce geste, hein, c'est offrir, c'est je célèbre en fait. Hein. Je célèbre ce qui me traverse. Je ne rejette pas, je ne m'attache pas, je suis pure transparence. Mais pour faire ça, il faut que tu sois conscient de ce qui te traverse. Donc on revient sur le point 1, conscience, non-jugement, relaxation. Je suis conscient que j'ai cette pensée, que j'ai ce désir d'aller plus loin avec ce partenaire. Je sens le bon, je sens mon désir, mon élan, mon envie d'aller là. Je sens ma joie, je la célèbre, je l'offre à quelque chose de plus. Ça ne veut pas dire que ça va rester, ça ne veut pas dire que ça va partir, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire je sens que je suis reliée, que je suis dans la joie d'être, juste être avec ce qui me traverse. Alors ça, c'est facile quand tu es super content d'avoir le partenaire X, mais quand tu es avec un partenaire qui te déplaît, ou qu'il est maladroit, il te touche mal, voilà, bon, ça arrive, hein, quand même fréquent. En plus, moi qui anime des sages de tantra, je suis toujours avec les partenaires qui sont tous seuls, et les participants qui sont tous seuls, pour faire les vagues avec ceux qui sont dans la parité. Bon. Donc j'ai l'habitude de faire des exercices avec des personnes qui je n'ai pas de fit, quoi. Donc sentir offrir, ça marche très bien. Je sens ce qui ne me plaît pas, ce qui est heurtant, tu vois. Je sens et j'offre pas pour. J'offre à Shiva, en fait. J'offre à la conscience, j'offre à Dieu, j'offre à la grâce, j'offre à quelque chose de plus haut. Enfin, je sais pas, tu peux trouver tes imaginaires symboliques par rapport à ça. Hein. Chacun va mettre son mot derrière. Mais c'est le fait de s'en remettre à. Ainsi soit-il, amen, tu vois. C'est cette idée-là. Et pour autant, je te dis, ça ne veut pas dire que tu es dans un truc désagréable, ça va pas, ça peut continuer pendant une heure si tu fais une vague d'une heure. T'as. Mais ce n'est pas grave, tu fais ce geste. C'est une pratique. Là, on le fait dans des exercices de vague souvent, ou dans des massages, comme ça. Mais après, c'est une pratique qui peut rester dans votre vie ordinaire. Tout l'intérêt de faire des ateliers de tantra, c'est d'expérimenter des consignes, mais de les utiliser dans votre vie ordinaire. Vous êtes avec un partenaire de couple que vous connaissez depuis 10 ans. Bon, c'est une forme de routine, de préjugés sur l'autre. Je le connais, je sais qu'il fonctionne comme ça. Ça m'énerve, ça j'aime bien, machin. Je sens et j'offre. Je sens ma pensée, je le connais, elle m'énerve. Je l'offre. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer. J'offre ce qui me traverse. Et l'instant d'après peut être neuf, en fait. Parce qu'une autre des clés du tantra, c'est regarder comme si c'était toujours la première fois. Ce que font les enfants. C'est pour ça que Jésus disait « Regardez le royaume de Dieu appartient aux enfants ». C'est fait comme ce revenu des enfants. Parce que l'enfant, il a un regard neuf avant dressage. Et donc, c'est ça l'idée. C'est, je regarde toujours comme pour la première fois. Je sens, j'offre. Et peut-être pas, mais peut-être que mon regard peut changer sur ma partenaire. Si, par exemple, si tu ouvres un œil le matin et que c'est toujours la même avec qui tu fais l'amour et que tu dis « Bon, encore un jour comme un autre ». Je la connais, j'aimerais tellement avoir une amante que je ne connais pas, mais celle-là, je la connais, ça fait 3 ans, 10 ans que je suis avec. Eh bien, regardez comme pour la première fois. Ça, c'est une autre clé du tantra. Regardez toujours, toujours comme pour la première fois ou comme pour la dernière fois. Et là, c'est, émotionnellement, c'est, vous allez vous rendre... Alors, la vie intense, hein, parce qu'on parlait de la vie intense, la vie peut être intense à l'endroit où vous posez ce regard. C'est une direction, une perspective. Je regarde moi, ma partenaire de couple comme si c'était toujours la dernière fois. Vous allez voir, ça change quelque chose. Si vous dites c'est mon objet d'amour, elle est acquise jusqu'à la fin des temps, je suis en grande sécurité, ouais, c'est pas très intense, c'est routinier. Puis après vous me dites, ah, mais je me lasse, j'ai préféré aller dans un stage de tantra et goûter à d'autres saveurs. Bah oui. Ou alors je suis devenue polyamoureuse. Bon, pourquoi pas, tout est possible, puisque... La vie peut être un grand jeu et on peut descendre sur le terrain et expérimenter plein de trucs. Mais c'est la souffrance, en fait, que ça peut créer. C'est ça qui est embêtant. Voilà. Donc, sentir, offrir, c'est célébrer. Ça va, c'est plus clair ?
Bon, parfait. Alors, cette magnifique clé que vous allez expérimenter dans tous les ateliers de tantra, ça va vous apprendre à la fusion et la diffusion. Alors ça, j'y tiens beaucoup, parce que comment rendre sa vie amoureuse paisible? En apprenant à fusionner, à diffusionner. Surtout pas à quitter le monde de la fusion, c'est-à-dire le monde de la connexion, le monde de la relation. Ça serait vraiment dommage que vous ayez tellement été blessé dans vos cœurs, abîmé par des expériences amoureuses difficiles et douloureuses, que vous vous ayez dit, bon maintenant, moi plus jamais, on m'y reprendra plus, ça y est, c'est bon, j'ai donné, et vous allez vous dessécher sur place. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été une bonne idée, malgré des moments extrêmement rudes, voire très très rudes. Hein. J'ai quand même pas mal somatisé dans les différentes relations que j'ai vécues, pas toutes. Mais il y a un endroit où vous pouvez garder votre cœur intact, la pureté, ce que j'appelle moi la pureté du cœur, qui est une forme d'ouverture, qui est, s'il y a une opportunité qui se présente devant moi, on est fait pour la relation quand même, hein, dans le sens de nous faire vivre, de nous faire expérimenter dans ce corps incarné ce qu'est l'amour dans le monde de la séparation, qui est que je crois que moi je suis moi et toi je suis toi et on va faire une histoire, d'accord ? Donc si vous gardez ce cœur intact, cette pureté du cœur, vous aurez des chances, même après mille et une morts de souffrance, de deuil amoureux, d'histoire avec des pervers narcissiques, avec s'il y en a, enfin bref, parce qu'on entend souvent ça, ben, vous aurez toujours le courage d'oser y aller, d'oser y retourner, hein, dans la relation. Avec toutes les conclusions de vos expériences passées, ben voilà, vous aurez acquis des trucs, vous aurez fait des points de conclusion. Mais l'idée étant d'oser fusionner, d'oser plonger totalement dans la fusion. Et le tantra vous y invite. Regardez, à chaque fois qu'on vous propose des exercices, très souvent on vous dit « Bon, ben allez-y, lâchez-vous, le temps d'une danse. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y a rien. Mais allez-y, soyez total là-dedans. Hein » Et Osho avait donné une clé comme ça. Osho qui était un des grands dans ce qu'on appelle le néo-tantrisme, hein, qui a ramené le tantra dans l'Occident, en venant de l'Orient. Bon, il y a pas Osho, c'est bien, bon, je ne vais pas développer là-dessus. En tout cas, il avait ramené cette clé, soyez total. À chaque instant, soyez total. Donc ça veut dire quoi, soyez total? Ça veut dire soyez totalement là où vous êtes maintenant. Si je suis fusionnel maintenant, si je suis dans Eros, allez-y, fondez-vous dans votre fusion. Lâchez-vous dedans, quoi. Plongez. N'y allez pas mollement, n'y allez pas voilà, en mettant les doigts de pied dans la piscine. Non, jetez-vous à corps perdu dans la fusion. Parce qu'après, ben c'est après. Donc après, n'anticipez pas le truc, vous verrez bien. C'est vraiment, on est vraiment dans qui vivra verra. Je me laisse traverser par la vie, par les formes que prennent la vie. Bon, et après, si vraiment vous êtes trop mal, allez consulter en thérapie, faire des trucs pour vous, regarder les schémas répétitifs et les machins, les trucs comme ça que vous traînez. Mais pour autant, ne fermez pas votre cœur. Le pire que vous puissiez vous offrir, c'est de fermer votre cœur. Ça, c'est vraiment, je sais pas, une honte, mais c'est vraiment un abîme d'arrêter d'ouvrir son cœur et de plus vivre des histoires fusionnelles. Mais par contre, si vous visez l'autonomie, vous pouvez plonger, être total dans la fusion, parce que vous savez qu'une fois que la séquence fusionnelle, qui dure un certain temps, elle a une durée limitée en temps, la fusion. Donc, je ne sais pas, vous faites l'amour avec votre partenaire, ça dure une nuit, le lendemain, vous vous remettez sur vos pattes, il part à son travail, il part, je ne sais pas où, ben, ça y est, voilà, hop, c'est terminé, l'histoire est terminée. Vous remontez sur votre bateau, d'accord? Donc, vous arrêtez d'attendre les SMS, les machins, les si, les mi, ou vous les attendez en conscience, ok? Mais fusionner, défusionner, c'est je suis totalement là où je suis maintenant. Donc, je suis totalement dans la fusion quand j'y suis. Et quand j'en sors, je remets à la verticale. Voilà, je me réalise. Là, ça, c'est moi et ça, c'est l'autre. Et c'est OK. Et si je vois que je commence à m'agripper, à m'attacher, nanana, à attendre le SMS, je vois ça, je sens et je l'offre. Voilà. Et si vraiment je suis complètement asphyxiée par le manque, bon, là, je vais travailler sur les... Il y a d'autres pistes que propose le tantra, hein, ensuite. Hein. Ouais, il veut poser une question. Avec plaisir. Alors, si je... Je ne sais pas si ça fonctionne. Hein. Si on prend sentir, offrir, si on prend fusionner, défusionner, dans le cadre d'un stage tantra avec des ateliers bien définis, bien cadrés,
je vois comment ça fonctionne. La conscience également, je vois comment ça fonctionne. Maintenant, quand on se projette dans une relation qu'on est en train de créer, ouais. parce que là, l'idée, c'est tantra et relation amoureuse, je vois comment la conscience peut aider à gérer, d'éviter d'attendre les SMS, comme on vient de le dire. Il y a quand même quelque part, en plus de la conscience, c'est-à-dire la projection mentale qu'on va se faire, ouais. Une partie qui est biologique, qui est hormonale dans l'attachement. Tout à fait. Et celle-là, elle n'est pas non plus évidente à gérer. Non. Comment on fait ? Ah, très bonne question. En plus, mais tout à fait, parce que biologiquement, on est fait pour la reproduction, donc pour vivre cette espèce d'attachement agrippant qui nous fait croire que... il nous faut cette personne, il nous faut y retourner, il nous faut s'engager, il nous faut plein de trucs en fait. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup examiné cette question et en plus moi je suis une femme. Donc si tu veux, le besoin d'être protégée par un homme, les hommes ils n'ont pas ce truc-là. Ils ne disent pas je veux être protégée par une femme, elle va me mettre en sécurité, enfin, elle va me protéger d'un mammouth, non. Mais tu vois, on a des trucs biologiques qui sont quand même vachement puissants et qui nous dépassent complet. Tu vois, tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Pourquoi j'ai affaire à ça ? Ben, c'est biologique. Et on est 70% biologique, si ce n'est pas plus, tu vois. Donc, du coup, prisonnier de cette biologie, la vision tantrique va t'amener, par le biais de, de ce regard de recul, de ne pas se prendre pour celui... Tu vois, on est dans le tantrisme, on est qui perçoit ceci ? Qui perçoit le mental qui te dit « je dois m'accrocher, je dois m'engager, je dois récupérer cette partenaire, il me la faut ». Qui perçoit ça ? Et ça c'est la voie tantrique. C'est, je vois le personnage qui s'identifie par cette affaire biologique d'ailleurs et qui veut s'attacher et qui veut éventuellement faire des enfants ou qui veut pour la vie son couple, qui paraît tellement merveilleux au début. Ça ne veut pas dire « je ne vais pas le faire ». Peut-être ça va se faire. Et si ça se fait, c'est fonctionnel. Ce que dit, écoutez Eric Barret, parce que moi, je trouve génial. C'est un enseignant du tantra qui a la vision du tantra du Cachemire, c'est-à-dire le tantra originel. Il dit très clairement, soyez plus fonctionnel dans la vie. C'est-à-dire, ça se fait, ça se fait. Ça ne se fait pas, bah, voilà, est-ce que vous pouvez passer à autre chose, à ce qui est là maintenant, tu vois. Donc, lutter contre la biologie, c'est voir comment je suis pris par la biologie. La voie du tantrisme est d'une voie indirecte. Ce n'est pas une voie progressive qui va vers quelque chose, c'est une voie directe vers l'éveil, c'est-à-dire je vois comment je m'organise pour ne pas être détendue et naturelle. Donc je vois comment je suis prisonnier de la biologie et comment je veux m'agripper à cette affaire. Et j'en fais une affaire d'État, puis après je fais un drame si je n'ai pas ma nana, tu vois, ou mon couple préféré. Et je vois ça. Donc je vais apprendre à fusionner, défusionner, fusionner. Il faut faire plein d'expériences comme ça. Mais l'invitation, c'est d'être toujours là où je suis. Il n'est plus là, il n'est plus là. Peut-être qu'on se reverra, mais peut-être que pas. Tu vois ? Ça n'empêche pas de construire. Ça n'empêche pas du tout de construire, faire des projets avec l'autre. Mais en étant beaucoup plus tranquille que si le projet tombe à l'eau, alors je continue. Je vais peut-être un peu souffrir parce que c'est normal, mais je ne suis pas obligée de m'effondrer totalement comme un enfant qui a perdu sa maman. C'est ça la différence, tu vois ? Parce que je ne me prends pas pour ceci ni pour cela. Hein, c'est ni ceci, ni cela, ni ceci, ni cela. Parce que quand on va aller vers Shiva, qui est le soi, qui est la dernière piste, mais je m'en fous, je vais la faire dans le désordre puisqu'on en parle. C'est la piste 6, la clé qui est être dans ce monde sans être de ce monde. Et donc là, ça revient à être en contact avec la transcendance, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la grâce. La présence, le soi, hein, comme disait Jung, le soi, pas le moi, mais le soi, hein, avec un grand S, eh bien, quand ce qu'on appelle aussi l'éveil, hein, et c'est, le tantrisme est une voie vers l'éveil, qui fait approcher cet espace d'éveil, qui est le non-moi, hein, le sans-forme, on l'appelle. Moi, je l'aime bien, le sans-forme. Certains disent la présence, moi, j'aime bien le sans-forme, parce que Shiva, c'est la conscience pure sans objet, hein. Donc, ce n'est pas Shakti. Shakti, c'est le monde des formes, c'est le monde de la matière. Ce n'est pas le féminin, hein. Confondez pas féminin-masculin, ça c'est erroné. Hein. Shakti, c'est le monde des formes, donc c'est l'identification, c'est le personnage, c'est l'histoire qui se tisse. Et Shiva, c'est la conscience pure sans objet, c'est l'unité, c'est l'impersonnel. Et l'identification, c'est le personnel, c'est tous les attachements, c'est toute l'histoire qu'on se crée. Il y en a certains qui disent que la vie est un rêve, la vie est illusion.
Ça, c'est du point de vue de l'impersonnel, du point de vue du soi, du point de vue de Shiva. Voilà. Donc, le Shiva, c'est l'être, c'est sans forme. Hein. Toutes les formes peuvent apparaître dans Shiva. Toutes les formes que prenne la vie. Et il y a des milliers de formes. On peut jouer des personnages comme le guerrier, le combattant, l'amoureux, l'amoureux transi, l'époux, le mari, enfin tous les rôles. Et on peut tout jouer, en fait. Tout nous traverse. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'on pourrait avoir, c'est de s'identifier à un rôle et de vouloir le tenir et le contrôler et de vouloir jouer le guerrier jusqu'à la fin des temps ou l'amoureux transi jusqu'à la fin des temps et en mourir, et mourir plutôt prévu. Voilà. Mais oui, lutter contre la biologie, c'est savoir qu'effectivement, il y a une grande part biologique qui nous anime et peut-être parfois, cette clé qui est mais qui perçoit cet attachement, qui est là, qui est témoin de ça, qui perçoit tout ça. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup ça, hein. Enfin, pour ma gouverne, hein, parce que je sens que ça m'aide, en fait. C'est pour ça que je vous diffuse des choses qui m'aident. Donc, je ne sais pas, 50 fois dans la journée, je dis, mais qui perçoit, surtout quand je vois que je commence à être déstabilisée par quelque chose, qui perçoit tout ça? Enfin, qui est là? Voilà, donc fusionner, défusionner, et l'invitation dans tous les ateliers, c'est d'aller goûter ce passage de fusion, défusion, qui va vous amener vers un chemin d'autonomie qui est vraiment chouette quand même, hein. Mais de continuer à plonger dans la fusion, c'est-à-dire de vous lâcher vraiment. Allez-y, quand vous avez du plaisir, eh ben, sentez totalement le plaisir et observez toutes les pensées qui retiennent. Ah, mais il va m'évaluer, il va me critiquer, il va me dire que je suis une chaudasse ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Donc regardez toutes vos observations, vos commentaires, ce sont des pensées. Hein, et si possible, détendez-vous, si possible. Et si vous ne pouvez pas, vous ne vous détendez pas. Ce n'est pas grave, mais observez ce qui traverse. Voilà. Alors, passer de l'addiction à l'intensité. Ça, c'est aussi... parce que tantra et vie amoureuse, dans la vie amoureuse, et notamment pour les tantricas, il y a souvent une addiction à l'intensité. Sinon, vous n'êtes pas là. Bien simple. Sinon, vous faites, de la permaculture, vous faites... je sais pas, de la poterie, de la cuisine, enfin, vous, voilà. Donc, les tantricas, et notamment les tantricas en Occident, je ne dis pas partout, sont, sauf ceux, les grands méditants, les tantrilokas méditants, OK, ils sont des ascètes, ils sont dans la voie mystique sèche. Mais pour la voie rouge, qu'on appelle la voie humide du tantra, qui est la voie qui inclut la sexualité, le sensoriel, la sensorialité, et l'énergie sexuelle, etc., en général, c'est parce que vous avez du plaisir là-dedans. Sinon, vous ne revenez pas. Ce qui peut créer une addiction à l'intensité par cette stratégie du plaisir de l'union des corps. Voilà, voilà. Donc, ça peut être délicat parce que ça peut vous rendre addict. Et donc, après, vous allez vous faire tous les stages de tantra ou la biodance ou le massage parce que vous êtes complètement addict à ça. Ou alors, vous allez fusionner puis devenir addict à l'intensité de la fusion. Donc, c'est un peu embêtant, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui peut aider, c'est de commencer à grandir le spectre en ayant une vision périphérique. Alors, on fait comment? Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, avoir une vision plus subtile, avoir une vision sensorielle qui se développe. Donc, ça veut dire que, par exemple... Je vais donner. Vous allez faire avec moi. Vous allez regarder. Vous allez mettre votre doigt. Ça, c'est la méthode de Douglas Harding. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui est un il est mort. Hein. C'était un Anglais qui était un éveillé qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui a ramené sa méthode pour toucher l'éveil. D'accord. Et donc c'est hyper simple son truc. Il dit voilà, vous mettez vous pointez le doigt vers un objet dans la salle. Pointez, trouvez un objet, là, et vous le pointez, vous le regardez, vous l'observez. Choisissez un objet et vous l'observez. Est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il a des limites? Normalement, oui. Il doit avoir une forme, des limites. Il doit avoir même un petit nom. Il doit avoir un nom, il s'appelle comme si. Vous pouvez le décrire. Hein. Voilà. Donc, vous voyez quelque chose qu'on appelle un objet qui apparaît dans votre champ de conscience. Voilà. Et que vous avez l'impression qu'il est à l'extérieur de vous. Et vous pouvez même le décrire. Donc, c'est ce qui apparaît comme un objet séparé de vous, que vous pointez là, qui a une forme, qui a une couleur, qui peut avoir des limites, etc. Vous pointez votre doigt vers un autre objet maintenant. Continuez, changez d'objet.
Donc de nouveau, soit en haut, soit même vers le sol. Voilà. Et de nouveau, ben voilà, vous pouvez nommer ce qu'est l'objet, vous pouvez le décrire, vous pouvez voir qu'il a des limites, qu'il a une forme précise, hein, donner, voir les détails, etc. Okay, voilà. Maintenant, vous commencez à pointer le doigt vers vos jambes, vers vos pieds. Donc, pointez vos pieds. Donc, de nouveau, vous voyez un objet hein, qui apparaît, les pieds, voilà, ça s'appelle un pied, un doigt de pied, ça a telle forme, ça a une limite, etc. Une couleur. Ok. Et maintenant, vous allez pointer le doigt vers vous. Alors, tout le monde pointe son doigt vers lui. Alors, comme ça. Toc. Comme ça. Mettez votre doigt vers vous. Alors, et là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un objet qui apparaît au-dessus de vos épaules? Parce que si vous le pointez au-dessus de vos épaules, ne le pointez pas en bas, là, devant vous, vous pointez au-dessus de vos épaules, comme ça, devant vous. Est-ce que vous voyez une forme, un objet? Est-ce que vous voyez quelque chose? Ben, si vous regardez bien, si vous observez, ben, il n'y a plus de forme parce que au-dessus de votre tête, au-dessus de votre dos, ben, tout disparaît. Il n'y a plus d'objet qui apparaît. Vous pouvez même fermer les yeux à l'endroit où vous êtes pour être vraiment plus en contact avec, quand vous avez mis le doigt là, de voir qu'est-ce qui apparaît maintenant dans votre champ de conscience. Au-dessus de votre épaule, au-dessus de vos épaules, là, en haut. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a un avant, un arrière, un haut, un bas? Est-ce qu'il y a une taille? Est-ce qu'il y a chose qu'on pourrait décrire? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un passé? Est-ce qu'il y a un futur? Non. C'est l'espace où tout disparaît. Donc là, vous faites l'expérience avec le soi, avec l'espace illimité où il n'y a pas de forme. Simplement en pointant le doigt vers vous. C'était ce que Douglas Harding a appelé la vision sans tête. Voilà, pas besoin de faire des tas d'expériences mystiques. Il a donc proposé pas mal d'exercices comme ça, très concrets, pour toucher l'espace du soi, l'espace du sans-forme, l'espace de la présence, donc Shiva hein, pour le tantrisme. Qui justement permet de commencer à pressentir que nous ne sommes pas identifiés, nous ne sommes pas celui que nous croyons être, mais qui perçoit tout ça? Voilà. Donc être dans ce monde sans être de ce monde, si vous êtes plus... La mystique va vous amener hein, dans la vision tantrique verticale, c'est-à-dire dans la partie dissolution du moi, vous allez pouvoir expérimenter par des exercices comme celui-là ou par même la sexualité sacrée, etc. Cet espace de dissolution, je ne sais même pas le mot espace, c'est pas un espace parce que c'est un pressentiment, c'est une expérience en fait. Ça peut être, moi je mets des mots, mais les mots pointent vers quelque chose, mais ça doit être vécu de l'intérieur, cet espace d'éveil, qui est l'espace de l'illimité, l'espace de l'unité, l'espace de la source, d'où on vient, où on va à la mort. Quand on sera mort, voilà. Mais c'est toujours là, en fait. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Si on arrête de croire à l'identification du personnage qui se prend pour quelqu'un, en fait, c'est toujours là, avant notre naissance, après notre mort, même quand on dort. Quand on dort la nuit, vous n'avez pas l'impression que vous n'êtes plus personne quand vous vous réveillez. Vous ne dites pas « j'étais rien ». Vous ne dites rien, vous ne posez pas la question. Pourtant, la conscience perdure. Sinon, vous seriez mort le lendemain. D'accord ? Donc, il y a bien quelque chose qui persiste. Voilà, Shiva. La conscience pure sans objet, le sans forme, qui prend toutes les formes quand on ouvre un œil le matin. Ça prend toutes les formes, pensée, croyance, histoire, comportement, passé, futur, je crois que je suis Véronique, je me prends pour ça, j'ai tel âge,
bientôt je serai décrépit, là je donne une conférence, enfin voilà, toute l'histoire. D'accord. Mais c'est hyper anxiogène comme truc, parce que tout va s'aggraver, quoi. Donc tout va se déliter. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas, si vous n'êtes pas sensible à cette connaissance, cette voie vers l'éveil, cette voie de la connaissance vers Shiva, vers la conscience pure sans objet, vers la présence, le monde matérialiste, la pensée matérialiste est extrêmement, enfin moi je trouve extrêmement anxiogène, hein. Je suis sur Terre, je nais, puis je réussis mes machins, j'ai des objectifs et après je meurs, au revoir. Eh bien, c'est bien. J'aime, je m'attache à un tel, j'ai 3 histoires d'amour, 10, 15, 150, après je meurs. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est quand même une dimension vachement anxiogène, je trouve. Et notamment l'angoisse de la mort et l'angoisse de la solitude. Pourquoi il y a tant de personnes qui viennent me voir qui sont des flippés de la relation? Parce qu'ils ont peur de la solitude. Mais la peur de la solitude, c'est la peur de la mort. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par cette vision tantrique ou la vision des enseignements, d'autres enseignements spirituels, ils mènent tous à la même chose. Tous les enseignements ésotériques mènent à la même chose, hein. C'est-à-dire à la porte vers la dissolution du moi, c'est-à-dire à la porte vers l'éveil, c'est-à-dire au soi. Cet espace sans limite, sans lequel on n'est pas identifié, qu'il n'y a personne, il n'y a pas de forme. Donc, premier mouvement qui jaillit, c'est le sans-forme. Deuxième mouvement, c'est Shakti, la matière. Je vais avoir un désir, un appel pour aller vers quelque chose, pour aller visiter, explorer ça, pour aimer ceci, pour détester ça. Voilà, bon, ça, c'est le deuxième mouvement. Premier mouvement, la source jaillit et ce qui me traverse apparaît dans ma conscience. Et ça, c'est intéressant d'avoir ces notions. Hein. Quand vous faites du tantra, souvent, on ne vous les donne pas forcément. Soit vous allez chercher ça dans les conférences, les lectures, les vidéos, etc. On ne vous explique pas ça forcément. Voire on peut même vous dire des trucs faux. Shiva, les hommes, Shakti, les femmes. Alors là, c'est carrément erroné, c'est pas du tout ça. Les pauvres tantrilokas du 10e siècle, ils se retournent direct dans leur tombe. Hein, parce que c'est pas du tout ça. C'est complètement faux. Donc c'est vraiment, pour moi, intéressant de vous donner ces notions. Il m'en reste une, c'est-à-dire la porte de la solitude. Après, je vous laisserai, je sais pas quelle heure elle est. Oui, j'ai un petit temps pour les questions, c'est parfait. Donc je parlais de la solitude. Donc la solitude dans la vie amoureuse, c'est terrible parce que c'est ce qui nous fait avoir peur de manquer d'amour et la peur d'être seul. Et donc toute l'histoire des passions amoureuses, des passions tristes, comme disait Spinoza, elles sont organisées autour de la peur de la solitude, de rester seul trop longtemps et d'être dans ce vide intérieur, dans ce creux dépressif, dans ce creux de la vague en fait, qui est tellement insupportable, tellement paniquant pour certains, qu'il nous fait nous agripper à un tel ou un tel, ou à telle histoire, ou à telle future histoire, tel imaginaire. Voilà. Et donc, le tantra va vous inviter à aller rester, visiter, explorer, examiner, vous fasciner par la solitude. Voilà. C'est une voie magnifique, hein, le tantrisme, et notamment pour ces expériences-là. Hein. Il ne vous dit pas de fuir la solitude, il vous dit la porte, c'est la solitude. Plonger dans la fusion parce que la porte, c'est la solitude. Vous pouvez aller dans la fusion parce que vous êtes bien dans votre solitude, parce que vous êtes bien, bien même dans le vide, même si vous sentez la panique. Vous rappelez, hein, j'ai dit accueillir, sentir, offrir. Ça ne va pas s'en aller forcément. Hein. Ce n'est pas parce que je suis dans la solitude et que je me sens angoissée ou paniquée, insécurisée, que ça va forcément s'en aller. Mais plus je peux tolérer un tout petit peu plus de solitude en tant qu'adulte, en me laissant traverser par, tant que ce n'est pas trop rude pour moi, plus je vais agrandir mon champ de possibilités de rester en contact avec la solitude. Et à un moment donné, comme on est dans le monde de la dualité, ça va se transformer. C'est-à-dire du vide, vous allez passer au plein. Puis en plus, aujourd'hui, on sait qu'avec la physique quantique, que il n'y a pas de vide, en fait. Hein. La matière est faite de vide. Donc tout est plein, en fait. Il n'y a jamais de vide nulle part. L'énergie, c'est du vide. Voilà, bon. Donc du coup, vous allez découvrir, mais dans l'expérience, que quand vous allez dans la solitude, et la solitude c'est la porte, c'est pas de la fuir, c'est pas d'y échapper, c'est pas de vous agripper à Martine, Jacqueline et Géraldine, même si c'est sympa, mais faites-le aussi, hein, vous pouvez le faire. Mais il y a des moments dans la vie, c'est pas mal de passer dans la porte de la solitude pour vraiment voilà, vous fasciner par ça, vraiment de visiter cette porte du silence
Parce que c'est Shiva, en fait. La conscience sans objet, c'est le silence. À la limite, là, on pourrait se taire, en fait. On pourrait même arrêter de parler, de raconter tati, tata, dada, dada. Tout va bien, en fait. Parce que la vie prend des milliers de formes, donc on s'en fout qu'on parle de ça ou de ça, voilà, parce que là, ça vous intéresse, mais vous pourriez faire du karaté, je sais pas, autre chose, tout va bien. Voilà. Donc, à un moment donné, la porte, c'est la solitude, et c'est dans le silence, dans cette solitude, que vous allez voir qu'il va y avoir une transformation. Si vous commencez à tolérer, 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 au lieu de vous énerver sur la relation amoureuse en voulant toujours plus, toujours mieux, ce qui n'empêche pas de la goûter quand c'est là, hein, pour autant, mais de pouvoir vraiment sentir ce plein qui va vous gagner de plus en plus dans l'expérience. Et ce plein, c'est le plein de tous les méditants, en fait. Hein. La méditation, c'est j'observe que voilà, il y a une pensée, puis après ça me gratte, et puis après il y a une douleur, et puis après il y a ceci, et puis il y a toujours quelque chose. En fait. Et à un moment donné, on touche cet espace, hein, en tout cas moi c'est mon expérience, qui est sans limite. Il n'y a plus de limite. C'est l'illimité. Donc c'est la grâce, en fait. Alors c'est parfois agréable, parfois c'est pas agréable, mais même quand c'est pas agréable, c'est ce qui est. Et c'est pas toujours... le tantrisme ne vous dira pas vivez que des expériences agréables. Alors ça, c'est complètement neuneux. C'est le monde du tantra des bisounours. Alors, vous pouvez y adhérer, hein, si vous voulez, ou le monde du tantra de la lumière, ou le monde du tantra du sacré en faisant ceci, cela, nani, nana. Bon, moi, j'adhère pas du tout à ce truc-là. Pas du tout, parce que c'est encore la dualité. Je vais prendre quelque chose et rejeter quelque chose d'autre. Je vais prendre l'agréable et rejeter le désagréable. Ben non, hein, c'est pas du tout une bonne idée. Je prends tout ce qui apparaît. Je rejette rien, j'inclus en fait. Je me laisse traverser. Si j'ai l'occasion de choisir un partenaire qui m'est agréable, je vais le faire. Je ne vois pas l'intérêt d'aller se taper quelqu'un qui est nul et non avenu. Ça n'a strictement aucun intérêt. Si vous pouvez vous offrir quelqu'un de bien, bah, offrez-vous quelqu'un de bien. Ce n'est pas le problème. Mais c'est l'idée de ne pas se laisser embarquer par « Oh mon Dieu, je veux ça, pas ça. Je veux que de l'agréable, je veux que du sacré. » Et chichi, pompon, et peut-être... Bon. Voilà, c'est bien, ça dure un temps, mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à autre chose. Ça ne va pas vous aider dans votre vie ordinaire. Donc le monde des formes, qui a une représentation que ça c'est bon, ça c'est beau, ça c'est le beau, a une apparence de sacré, hein, sous une forme de représentation, et le reste est ordinaire et à rejeter. Non, si vous augmentez votre vision périphérique, si vous augmentez le subtil, la vie ordinaire devient intense en fait. Tout devient intense. Voilà, c'est aussi une manière de rendre votre vie plus intense en étant moins dans « je me délecte de ma vie amoureuse, passionnelle avec tel ou tel partenaire, mais il faut que ce soit Jacques ou Paul, parce que si c'est autre chose, c'est pas terrible. Remettez-moi Jacques ou Paul. » Bah non, lâchez-les. Ou prenez-les, puis lâchez-les. Puis prenez autre chose. Diversifiez, vous serez moins malheureux. Est-ce que vous avez des questions? Je surveille le temps, il me reste 10-15 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur mon explication de texte, sur les clés qui, moi, m'ont paru intéressantes dans la vision tantrique? Ouais. Là. Merci. Je me posais la question, ça marche là ? Oui, ça marche. Oui. Je me posais la question, quand tu dis « je prends et je remets au divin ouais. », pourquoi ne pas remettre au divin de la personne qu'on a en face? Ah, tu peux aussi. Plutôt qu'au divin céleste, ouais, enfin, tu vois. De toute façon, le divin, c'est tout. C'est tout ce qui voilà. nous anime. Ouais. Donc, c'est pas quelqu'un en particulier. Les exercices qu'on vous fait faire, où on vous dit « je reconnais le divin qui est en toi », mais il est partout, le divin. Donc, tu peux le faire, parce que ça te met en contact avec la transcendance. D'accord? Mais après, tu peux t'en passer, puisqu'il est tout le temps là. Même quand il fait la gueule, il est divin, ton partenaire. C'est pas parce qu'il te fait un sourire, un namasté, un machin, qu'il est sacré. En fait, bah, il est plus souriant, c'est plus agréable. Ça te fait, bon, voilà, c'est plus sympathique, c'est plus chaleureux. Mais il est sacré tout le temps, même quand il te pourrit la vie. Il y a autant de sacré, et, c'est partout. Hein, voilà, le divin prend toutes les formes. Donc, mais par contre, c'est pour ça qu'on ne crée pas d'attachement. L'idée, c'est de ne pas t'attacher à un rituel qui fait « ah, bah là, c'est sacré », parce qu'on se regarde comme ça et qu'on se fait une petite « j'honore le divin qui est en toi, tu l'honores le mien bon, ». C'est joli, hein, c'est magnifique. Moi, j'adore les rituels pour
un peu comme un jeu, tu vois, comme les enfants, on va jouer, viens, on va jouer un truc, c'est super joli et tout, on va s'embarquer dans un truc, le monde merveilleux, mais il ne faut pas adhérer en étant identifié à ce truc-là. Tu vois, tu peux lâcher après. Donc tu t'es fait un plan sympathique, c'était magnifique, mais après il va te pourrir la vie parce qu'il va te jeter, ou je ne sais pas quoi, il va te dire un truc pas sympa. Et c'est sacré aussi. C'est tout est sacré en fait. Il n'y a pas quelque chose de spécial, il n'y a pas une forme spéciale qui n'est pas sacrée. Shiva, c'est la conscience sans objet. Il n'y a pas quelque chose de spécial, en fait. C'est sans forme. De là peut apparaître toutes les formes. De là jaillit toutes les formes. Demain, je donne une conférence atelier sur Abhinavagupta, qui est un tantriloka du 10e. C'est un des grands auteurs en sanskrit, qui a donné naissance au tantrisme du Cachemire et au tantrisme, à la vision tantrique. Les autres, je pense qu'ils sont morts, on n'a pas eu leurs textes. Sont restés quelques textes d'Abhinavagupta. Et je ferai une lecture des stances de l'empereur, des textes que moi j'ai trouvés magnifiques, et qui parlent de ça, enfin, tu vois, qui décrit ces phénomènes. Voilà. Comment je peux regarder le monde avec ces yeux-là, parce que je te rappelle que si tu es attaché à une forme, quand tu vas manquer de la forme, tu vas souffrir en fait. Tu vas te dire, oh, mais c'était tellement bien quand il me regardait avec ses yeux, en me faisant un petit sourire. Je reconnais, j'honore le divin qui est en toi. Vivement que ça recommence, parce que là, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Mais alors justement, ça serait une deuxième question. Quand tu dis fusionner et défusionner, quand on fusionne, est-ce qu'on se perd pas un peu dans cette fusion, même si elle est que momentanée? Pour ne pas s'y perdre, c'est la goûter en étant d'accord que ça va s'arrêter. D'accord. Tu sais qu'à un moment donné, ça va t'échapper. L'objet va t'échapper, c'est un objet. L'autre est un objet qui apparaît dans ta conscience, mais l'expérience, c'est toi qui l'as fait. On pourrait dire qu'à l'endroit de la conscience pure sans objet, de l'unité, il n'y a pas d'autre. Il n'y a même personne. Donc, c'est tranquille. Mais quand tu crois que dans la réalité, il y a quelqu'un d'autre qui est séparé de toi, et que tu fusionnes avec lui dans le plan, sur le plan relatif, hein, que tu t'es identifié à toi, qui est uni avec lui, tu fais l'amour avec lui, tu as l'impression que vraiment les corps s'unissent. Il y a quelque chose d'incarné là-dedans. Le relatif, c'est l'incarnation, c'est Shakti, c'est la matière. Et donc oui, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ah, ça va s'arrêter. La séquence a duré une durée limitée en temps. Ça s'arrêtera, cette fusion. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous séparer. Vous n'allez pas rester comme ça toute la journée, H24. Donc c'est le moment de la séparation qui va être rude. Parce que il y a l'envie de rester de manière permanente dans le monde de l'unité, dans l'univers de l'unité, dans l'illimité. Le moment de la fusion, c'est le retour à Shiva, c'est le retour à l'unité. Alors, comme nous, on vient de l'unité, de l'illimité, dans l'incarnation qui est illimitée, eh ben, on est dans la merde, en fait, quand tu regardes le truc. Parce qu'on est des êtres illimités dans un corps limité. Donc, on doit toujours conjuguer avec ce truc. C'est très compliqué. C'est pour ça que quand on fusionne, si on n'a pas compris ce truc-là, on fusionne, mais on ne veut pas lâcher, on veut y retourner, on ne veut pas que ça s'arrête, le truc. Voilà. Sauf qu'on est au courant que sur un certain plan, ça va s'arrêter tôt ou tard. Et ceci n'est pas grave si tu n'en fais pas un drame. Mais si tu en fais un drame, si tu fais une peur de manquer dans le futur, là tu vas projeter « que vais-je devenir ?» et là tu es parti dans le mental, l'insécurité, « sans lui, que vais-je devenir ?» Il n'y en aura pas d'autres sur le marché, oh là là, oh là là. Oui, mais moi je ne parlais pas spécialement de se perdre dans l'autre, mais se perdre soi-même, c'est-à-dire s'oublier soi-même, oui. Tu vois, dans ce sens-là. Plus oui, que tu peux t'oublier. Peur de manquer de l'autre. Il y a du bon dans « je m'oublie » au moment de l'acte. La porte mystique, c'est de m'oublier moi-même. C'est oublier le moi, c'est la dissolution du moi. Je fais un avec tout. Je redeviens le 1, je repars à l'unité, à l'océan, je ne suis plus la vague, je ne me prends plus pour la vague. Ça, c'est dans la potentialité de la sexualité sacrée. Sexe, cœur et plus haut. C'est pour ça qu'on vous fait travailler sur les trois niveaux. Sexe, cœur, sexe ouvert, cœur ouvert, et hop, ça monte au troisième œil pour aller plus haut. Ça, c'est la dissolution. Tu peux t'oublier, mais c'est plutôt chouette. Ça veut dire que tu es en... Ça y est, pendant un moment, une seconde, deux secondes, une minute, tu es parti dans l'unité. Pour autant, tu vas revenir, je t'assure, tu ne vas pas y rester. Parce qu'on ne peut pas rester scotché là-haut. Donc, tu vas revenir dans l'incarnation avec tes pensées, tes projections, tes désirs, tes non-désirs. Le mental va revenir. L'émotionnel va revenir.
pas rester. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais dire dans t'oublier. Est-ce que moi, j'ai pris ça comme la dissolution du moi, mais tu voulais peut-être dire autre chose. Ben, c'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'aime, que ce soit des enfants, mari ou autre, peu importe, j'ai envie de me donner complètement et j'en oublie, moi, mes désirs. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un défaut d'un profil de personnalité que j'ai appelé l'altruiste dans mon premier bouquin. Et qui est, pour être aimé, j'ai eu l'habitude de tout donner, donc de me perdre, d'en faire des tonnes. Quoi. Voilà, donc ça, c'est autre chose. C'est pas la dissolution du moi dans l'acte de sexualité. C'est plus, pour être aimé, j'en fais, je me perds dans, j'en fais trop. Et du coup, je ne suis plus penchée sur moi, je suis penchée sur les autres. Je suis au service, au sacrifice. Donc tu reverras ça. Ça, je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas aujourd'hui. Mais j'ai fait une conférence sur l'altruiste, par exemple, que tu retrouveras sur ma chaîne. Je l'ai décrit dans les profils amoureux. Voilà, ça fait partie des profils de personnalité. Donc ça fait partie d'une identification. Tu es attaché à celle qui donne, celle qui est généreuse, celle qui est au service, sacrificielle. C'est un rôle, c'est un personnage. Voilà. Donc, tous les attachements font souffrir. Ouais, et puis voilà, on a encore 5 minutes, hein, je vérifie. Parfait, je suis dans les temps. Merci. Je suis un peu surprise que tu associes fusion des fusions à la fusion des corps, parce que dans l'acte, on atteint un état mystique et c'est pas forcément le fait de se détacher ou de défusionner physiquement qu'on quitte cette fusion. C'est un état qui peut se prolonger. Donc, je suis un petit peu surprise que tu associes la défusion à la séparation des corps ou séparation avec l'autre. C'est un état qu'on peut rejoindre. Bien, il y a quelqu'un qui peut me traduire parce que tu ne parles pas assez fort en fait. Ah, d'accord. Donc, du coup, et le micro marche pas. Tu viens plus près. Le micro marche pas. Non, c'est un micro caméra. Ah, mais d'accord. Par contre, tu peux revenir un tout petit peu plus près comme ça. Moi, je vais t'entendre. Je vais parler plus fort. Alors, parle plus fort, c'est cool. Voilà. Oui, j'étais un peu surprise par le fait que il me semble que tu associe la fusion et diffusion au fait qu'il y ait contact des corps où on se sépare de l'autre. Oui. Mais quand on atteint cet état à travers l'union sexuelle, on peut aussi garder cet état. C'est pas forcément... je veux dire, le fait de s'attacher à l'autre, en fait, c'est... Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup donné d'exemples sur parce qu'on est dans le festival du tantra, et donc très souvent, on va vous parler de la sexualité sacrée. Voilà. Mais effectivement, la fusion, elle peut être touchée à plein de moments. Même dans l'acte, après le fait de séparer les corps, l'état de fusion perdure et peut continuer longtemps. C'est pas... Mais tout à fait. La résonance, quand vous vous dites laisser résonner. Les sensations, les vibrations, etc., tu es encore dans l'état de fusion avec ton partenaire. Le goût de la fusion, c'est le goût du deux en un. C'est un goût. Non, pour moi, le goût de la fusion, c'est un état d'être qu'on peut partager, mais qui est propre à soi. Oui. On n'est pas obligé de le rattacher à quelqu'un. À quelqu'un, oui. En général, quand on dit la fusion amoureuse, c'est avec une autre personne. Tu n'es en général pas toute seule avec toi à fusionner, mais tu peux apprendre à fusionner avec toi. Parce que dans certaines méditations, on va vous apprendre à fusionner avec vos seins, par exemple. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que dans l'acte à deux, quand on vit cette fusion, même quand il y a séparation des corps, la fusion continue, l'état de fusion continue. C'est pas... Oui, tout à fait. C'est un goût. La fusion, c'est un goût. Donc, tout à fait, c'est un goût, c'est un état particulier. Tu dis peut-être que l'erreur, c'est d'associer ce goût à l'autre. Oui. Alors ça peut créer la dépendance. Voilà, c'est de dire, il me faut l'autre pour pouvoir toucher cette forme, cette résonance, cette vibration particulière, ce goût particulier de l'espace fusionnel que tu peux toucher avec un autre.
Effectivement, d'ailleurs, dans la sexualité sacrée, on va vous faire visiter l'orgasme de la vallée, qui est pendant un jour, deux jours, trois jours, je vais continuer à résonner avec cette vibration, cette tonalité, cette saveur, sans l'autre. L'autre n'est pas là, hein, il est parti faire son chemin. Moi, je continue de résonner avec. Mais tôt ou tard, cette fusion, sauf si tu apprends à fusionner avec tout ce qui est, à te fondre avec tout, c'est tout ce qui est maintenant, il n'y a que maintenant qui existe, hein, donc ça va être plutôt la partie, je fais avec, j'apprends à être en contact avec ce qui est connecté là, hein, sans rejeter quelque chose. Donc tu vas fusionner avec tout ce qui est, avec tes pensées, avec tes croyances, avec tes opinions, avec tout ce qui apparaît. Ça, c'est plus rare quand même, hein. Donc les personnes, quand elles parlent de fusion, elles parlent de fusion avec un amoureux, avec un partenaire. Et il y a effectivement cette forme d'agrippement. Je veux ce partenaire pour toucher cette forme-là particulière, ce goût de la fusion qui crée un attachement. Mais oui, l'idéal, c'est de ne pas rester accroché au partenaire, mais c'est de laisser résonner cet état d'être le plus longtemps possible, sachant que même cet état particulier va disparaître à un moment donné, va apparaître autre chose. Ça ne peut pas rester, de toute façon, rien n'est définitif. Tout apparaît et tout disparaît. Parce que c'est l'impermanence. Donc même cet état particulièrement dans lequel tu te fonds, à un moment donné, il disparaît. Quand tu es fort occupé à gérer tes gosses ou à gérer tes problèmes d'impôts, cet état d'être fusionnel, goûteux, disparaît. Ben, c'est comme ça, mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas juste... voilà. Mais néanmoins, derrière toutes ces formes qui apparaissent et qui disparaissent, l'être spirituel, l'être est toujours là. Le sans-forme est toujours là. Toujours là. C'est toujours derrière tout. C'est tout, mais les formes apparaissent et disparaissent. Mais ça, c'est normal. Ça peut pas être autrement. C'est pour ça que je disais fusionner, défusionner, c'est apprendre à aller complètement... Ben là, c'est par rapport à la relation amoureuse, mais ça peut être avec un paysage dans la nature, hein, c'est pareil. Hein, tu te fonds dans un paysage magnifique, après, tu vas aller manger, tu vas aller prendre ta douche, à un moment donné, ceci va s'arrêter. Dans ton champ de conscience. Et c'est pas grave. Mais tu peux laisser résonner la vibration. Parce que plus vous laissez résonner les vibrations longtemps après que l'autre soit parti, c'est comme si tu laisses mourir, tu laisses partir quelque chose. Dans la vie amoureuse, j'apprends souvent aux gens à laisser partir, laisser mourir, laisser partir l'autre, rester avec ce qui est là maintenant. Mais laisser l'autre, ça apprend à faire des deuils plus rapides, parce que sinon tu te fais des deuils qui n'en finissent jamais. Hein. L'autre, il part, ça y est, ma vie est décevante si l'autre s'en va. Bon, ça va. Mais à un moment donné, c'est mieux de grandir avec ça et de dire, ben, l'autre s'en va, je laisse mourir, je laisse partir. Tous les attachements, tout ce qui apparaît va disparaître. Donc je m'y prépare. C'est la préparation à la mort, en fait. Hein. C'est la même chose. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair, cette réponse, mais... voilà. Eh bien, c'est l'heure. Donc, merci à vous tous et peut-être à demain. Merci, on se retrouvera peut-être demain. Sinon, si vous voulez réécouter cette conférence, elle sera sur ma chaîne YouTube. Et puis sinon, je donne des ateliers, vous allez sur mon site, sur la relation amoureuse, moi surtout. Parfois dans le tantra, je serai avec Séverine Grisel là, le 14 et 15 juillet. On anime un stage tantra toutes les deux. Bonne soirée.